quel candidat sera éliminé. Pour le savoir, j'appelle celui qui est pour l'instant le seul à connaître les résultats, notre huissier de justice, Maître Nadjar. Bonsoir Maître. Oh, une haie d'honneur. Bonsoir Virginie. Et pourtant, le moment est important, le moment est solennel. Oui. Alors Maître, est-ce que les votes sont serrés? Dites-moi oui. Évidemment, ça a été très serré. Oui. La compétition a réellement débuté aujourd'hui. Entre les deux derniers candidats, ça s'est terminé à peine 810 voix. À peine 810 voix. Ah oui, effectivement, très serré pour le coup. Donc je vous remets l'enveloppe qui contient le nom du candidat qui va nous quitter ce soir. Au revoir. Merci Maître. Alors avant d'ouvrir l'enveloppe, je voudrais quand même vous préciser que je vais appeler les candidats dans un ordre qui n'est pas celui du résultat des votes. Je voulais vous le dire. Le moment du verdict. Vos votes ce soir. Nous ont permis de déterminer le premier qualifié. C'est François. L'aventure va continuer aussi pour Sacha. À vous convaincre. La semaine prochaine, vous retrouverez donc Stéphanie. La prochaine candidate qui restera avec nous la semaine prochaine est Lucie. Avec ses camarades dès la fin de l'émission. Il s'agit de Luce. Encore 5 candidats. Il n'y a que 4 places.
l'une de ces places est pour... Benjamin. Encore long pour accéder au titre de nouvelle star. Mais il va continuer pour... Ramon. Plus que deux. Annabelle et Marine, venez avec moi les filles. Et c'est le moment de vous dire qu'elle est la dernière qualifiée. Annabelle. Désolée Marine. Voilà, Marine quitte l'aventure Nouvelle Star après un beau parcours. Annabelle est aussi émue que Marine. Marine, est-ce que tu as un petit mot à dire ? Guide l'aventure, est-ce que tu veux dire quelque chose à tous ceux qui t'ont soutenu? Non, c'était une super aventure humaine et chacun ses goûts et voilà, vive la musique et vive l'amour. Merci à tous.